La présentation de la petite visseuse GSR MX de drive. Donc c'est la gamme Bosch professionnelle. Donc là vous avez le bouton pour visser, dévisser. Donc elle a deux vitesses. Première vitesse, 580 tours minute, elle dégage un couple de 10 Nm. Deuxième vitesse, 150 tours minute, elle dégage un couple de 10 Nm. Donc voilà, elle est petite, elle est vraiment légère, c'est un de ses points forts. Donc elle pèse 510 grammes. Donc c'est une visseuse 3,6 volts. Elle utilise des batteries de 1,3 ampères. Elle est fournie avec deux batteries. Le temps de charge est d'une heure. Donc personnellement, ce que je trouve décevant sur cette perceuse, c'est sa durée de fonctionnement. C'est quand même une gamme professionnelle, donc on est amené à s'en servir beaucoup. Et finalement, je trouve qu'elle ne tient pas assez la durée. Ici, vous avez un mandrin pour changer rapidement le type d'écrou. Voilà, ça se change vraiment très rapidement. Donc, elle est fournie avec une petite boîte de rangement et une petite caisse de travail. Donc, faites attention, c'est peut-être pas toutes les versions qui ont la petite boîte de rangement. Par exemple, quand j'avais fait ma toiture, donc j'avais commencé à visser avec elle. Donc j'ai pu visser d'ici à ici. J'ai fait quelques vis à peu près jusque là. Pareil là, quelques vis, puis je suis allé au bout. Et je me suis pratiquement, j'avais plus de batterie à peu près là. Donc j'ai fait environ 35 vis. C'était pas de la grande vis, hein, c'était à peu près des vis de 2,5 à 3 cm.